Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horsemag, un magazine, comme vous le savez, eh bien consacré au cheval. Aujourd'hui, nous sommes à Chavannes-des-Bois, dans les écuries, dans le manège de Philippe et Jesse Putala, qui nous ont reçus chez eux. L'occasion pour nous de faire le point sur, vous allez le voir, une saison exceptionnelle du cavalier genevois d'adoption Philippe Putala, qu'on écoute tout de suite. Je monte un cheval assez exceptionnel qui s'appelle Ouessant de Perret, qui enfin une entente vraiment très spéciale entre les deux, c'est entre moi et lui, c'est que c'est un cheval que j'adore, qui me donne tout. J'ai déménagé, j'habite, j'ai un nouveau manège ici à Chavannes-des-Bois, où je suis avec mon fils depuis une année. Et je pense que le fait d'être chez nous, d'un rêve de ma vie, d'avoir toute ma vie, j'ai rêvé une fois chez moi. Et aujourd'hui on est chez nous, on loue des installations magnifiques avec les deux sœurs Mouchet ici à Chavannes-des-Bois. Et on a beaucoup de plaisir dans cet endroit, on s'entend bien, tout va bien, les clients sont contents. On peut enfin partager notre passion entre mon fils et moi à 100%. Dans la vie privée, c'est assez bien. J'ai une compagne qui est très agréable et qui me porte beaucoup de bonheur, donc qui m'aide à avoir le moral. Donc en ayant le moral, je pense que c'est plus facile à gagner des épreuves. Là, on est vraiment chez nous, on fait comme on veut. Si je veux hercer le paddock trois fois par jour, je l'herse trois fois par jour. Si je veux donner plus à manger à mes chevaux, je donne plus à manger. Si je veux donner moins, je donne moins. Si je veux les mettre au parc, je peux les mettre... Bref, c'est tout un facteur qui fait le résultat, je pense, à long terme. Au départ, c'est Maître Woodley, mon mécène, mon sponsor depuis 30 ans, qui m'a acheté ce cheval à 6 ans. Et quand Maître Woodley l'a vu, il l'a acheté, il me l'a dit, écoute Philippe, voilà enfin un cheval qui a plus de talent que toi. Et ça, vraiment, il a dit vraiment, il avait vu tout de suite déjà, Jean-Franck Guzin avait vu, le cheval était très très bon. Et je l'ai gardé avec pendant 3-4 ans, puis après on a fait une affaire ensemble, puis j'ai repris le cheval et aujourd'hui il était entièrement à moi. Je pense que c'est un des meilleurs chevaux que j'ai eu dans ma carrière. Au point de vue tout, au point de vue qualité. Après, j'ai eu des bons chevaux, c'est clair, j'ai eu plein de bons chevaux. Mais cette qualité-là, je pense que j'ai jamais eu. La qualité pure, c'est-à-dire sans vraiment naturel, le cheval au naturel, je pense qu'il n'y a pas mieux que ce cheval. C'est un cheval qui a de toute façon tellement de talent que j'ai pas besoin de l'entraîner. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais que des balades avec. Donc je fais des balades, des trottings, et on est tellement bien équipé dans la région pour les trottings et les pistes de galop, c'est qui fait que ça. Et il a physique d'enfer, il est splendide, il n'a pas une brique de gras. Et c'est un athlète de haut niveau et j'en fais un. Et mon but, c'est de faire vraiment un athlète. J'estime, il n'y a pas de raison qu'il a moins de force que Ito du Château. Dans les vacances, il va faire des trottines dans les bois de Versoix, dans les bois de Chavannes pendant 2 mois. Que des trottines. Il ne va pas avoir une barre. Et il va aller faire des pieds dans l'eau, il va aller au parc. Voilà. Il va rester en forme. Et comme ça, je reviens au mois de février, je rentre. Et là, on va recommencer la saison, on va aller au mois de mars à Cannes-sur-Mer, on va débuter gentiment et on va faire un programme comme d'habitude avec, pour se faire plaisir. Il faut monter un cheval difficile pour monter un bon cheval. Ça c'est vrai, parce que ceux-ci sont différents, ils ont du caractère, ils ont plein de choses que les, entre guillemets, les chevaux normaux n'ont pas. C'est pas un cheval normal. C'est clair que, de toute façon, au départ, je suis un sportif. Il ne faut pas oublier que j'ai joué au foot à un très très bon niveau. Donc je suis un sportif, je suis un gagneur. J'ai jamais voulu perdre. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours voulu être le premier. Partout ce que j'ai fait, je déteste perdre. C'est un truc, si je fais quelque chose, c'est pour gagner. Le grand moment, c'était à Valence. Cette année, un CSI 3 étoiles qui était d'un niveau 4 ou 5 étoiles, qui était vraiment très gros, avec les meilleurs cavaliers du monde qui étaient au départ. J'ai eu la chance de participer là-bas. Et la première épreuve d'une ranking, franchement, j'ai eu un plaisir énorme parce que c'était vraiment du haut niveau. Et on était 75 partants. Et il fallait se qualifier pour le Grand Prix. On a un Grand Prix à 100 000 euros.
C'était très gros et il n'y avait pas de pression. Et je prends la tête de l'épreuve et je me fais battre, entre guillemets, par Simon Delès, qui est champion d'Europe, qui a troisième médaille au championnat d'Europe une semaine avant, avec sa chapelle, qui était juste une semaine avant. Et puis le deuxième, c'était Roger Hubox, qui est un ami de longue date, mais voilà, qui est quand même champion d'Europe en titre. Et moi, j'étais troisième. Et quatrième, c'est Philippe Rosier, aussi un copain. On a fait les championnats d'Europe ensemble. C'était assez un grand moment à partager. La Fédération suisse des sports équestres regarde bien sûr mes résultats, sont conscients de mes résultats. Après, est-ce que ça ouvre des portes? Ça ne les ferme pas, en tout cas. Ouvrir les portes, je ne pense pas vraiment. Mais moi, de toute façon, je fais ma carrière tout seul. J'ai aucun but. Vraiment, ni des championnats d'Europe, ni des Jeux Olympiques. Mon seul but est de me faire plaisir. Et j'ai la chance d'être connu un peu dans le monde entier, en tout cas toute l'Europe, vraiment très connu. Donc je peux un peu aller un peu où je veux au concours. Si je veux aller faire un bon concours, je connais assez de monde qui m'invite et je pourrais aller. Donc là, je compte vraiment pas trop sur la Fédération Suisse de Sport Equestre. Pour moi, Palexpo, j'ai pas trop de pression parce que ça fait des années que j'ai monté à Palexpo. J'ai gagné, je sais pas, mais beaucoup d'épreuves à Palexpo déjà, des petites, hein, des moyennes. Des grands prix, j'ai jamais gagné, mais des grosses épreuves non plus. Mais des moyennes et des petites épreuves, j'en ai gagné en veux-tu, en voilà, à Palexpo. Donc j'ai deux solutions. Soit je vais à Palexpo pour gagner des épreuves, des petites épreuves, je déclasse mon cheval. Et ça, je vais gagner, peut-être je peux faire un peu des très bons résultats. Soit je veux me battre au niveau des meilleurs et j'essaie de me qualifier pour le Grand Prix du dimanche, qui est le Grand Prix Rolex, le Grand Slam. Ça va être très très difficile. Donc je vais voir encore, vu la forme de mon cheval, ma forme à moi, ce que je vais faire. Mais je vais essayer de faire le mieux possible à Palexpo cette année. Philippe Putala, on parle un petit peu de cette saison, toujours hein, 2015 exceptionnelle, avec quelque chose d'enrichissant, on a presque envie de dire original. Ça a été votre voyage hein, avec votre fils, du reste Jesse, en Algérie. Ça peut surprendre d'aller 2-3 semaines en Algérie. Racontez-nous un petit peu cette expérience. C'est une expérience que j'ai reçue une fois par Facebook, par un message sur Facebook d'un gars qui est ami à moi, entre guillemets, sur Facebook et qui me dit « Écoute Philippe, j'aimerais que tu viennes, on reste dans une Coupe du Monde en Algérie, on n'a pas beaucoup de monde et tout, j'aimerais que tu viennes, ça te ferait beaucoup de publicité parce que je te suis depuis des années sur Facebook et tous tes résultats et ça me ferait plaisir que tu viennes. » Et j'en parle à mon fils, je dis voilà, on pourra aller là-bas. Il me dit pourquoi pas, je regarde, il y a de l'argent, il y a un truc. Et on discute et commence à négocier avec eux. Et on a tellement bien négocié, c'est qu'ils nous ont invités complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas payé le billet d'avion. Moi j'étais en avion avec ma compagne, on n'a pas payé le billet d'avion, on n'a pas payé l'hôtel. Mon groupe était logé à l'hôtel, mon fils aussi. Tout le monde était logé gratuit, les inscriptions n'étaient pas payées, on n'a même pas payé les impôts à la source là-bas, ils n'ont pas déduit tout ça, c'était vraiment tout du net, et en faisant ça, on a dit bon, on joue le jeu, et je ne regrette pas, une grosse expérience pour moi, et pour les chevaux, et puis pour mon groom, Stefano, qui était enchanté de vivre cette expérience, il y avait le bateau, il y avait tout ça, c'est un gros transport, mais très enrichissant. Alors, on termine cette émission avec ce que l'on pourrait appeler la garde rapprochée, ou en tout cas, évidemment, les proches de Philippe Putala qui, eux aussi, vous allez le voir, reviennent sur cette saison d'exception. On a toujours espéré. Il faut bien sûr tout un nombre de facteurs qui font que la saison fonctionne. Il faut un cheval en santé, il faut un homme en santé aussi. Des fois, il a un petit peu de la peine à gérer la pression, un peu le stress, c'est comme ça, mais on est là pour l'épauler, l'aider comme on peut en fait. Il faut quand même le rassurer, il y a eu cette phase où on est parti au championnat suisse et on sentait déjà 2 semaines avant la pression. Des fois, il peut s'énerver pour un rien, mais en fait, c'est juste ce stress qui est un peu caché en fait. Mais ouais, plus que ce qu'on pense. Enfin, je pensais qu'un cavalier comme ça, il gérerait mieux le stress, mais en fait, il doit encore travailler là-dessus quand même. On est tous ravis de sa saison. Philippe il s'est retrouvé une deuxième jeunesse avec son étalon qu'il adore et qu'il,
qu'il monte extrêmement bien. Philippe, on sait qu'il a toujours été extrêmement doué à cheval et c'est juste qu'ils se sont trouvés le couple génial. Cette année, il a fait une saison d'exception. C'est un cheval difficile à monter et qui a beaucoup de personnalité. Et Philippe s'entend extrêmement bien avec, effectivement. C'est un cheval quand même délicat parce qu'il est fort, il a des grandes foulées tout en étant très petit. Donc c'est un cheval quand même difficile à monter pour une fille, je pense. Bah alors très honnêtement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir monter. L'année passée, c'est lui qui m'a fait la chance de me laisser son cheval à monter. Donc l'année passée, c'est moi qui étais entre guillemets sous l'effet des projecteurs, qui ai fait pas mal de bons résultats avec Ouessant aussi. Comme on venait de reprendre les écuries, c'est lui qui est beaucoup resté à la maison. Il s'est occupé d'ici, de l'entretien de la piste, des écuries, de satisfaire les clients, de satisfaire tout le monde, de mettre en route cette structure qui est quand même assez grande. Maintenant que ça tourne un peu mieux, l'année passée, c'est vrai que je lui ai souvent demandé de venir au concours. Les gens me demandaient où est ton père, est-ce qu'il monte encore, etc. Et c'est vrai qu'il a très peu monté. Il a monté principalement les chevaux de son client Maurice Daba. Mais les nôtres, il a vraiment tout fait pour que je puisse, moi, rester à la lumière un petit peu. Et bah, en fait, en fin d'année, je me suis cassé la jambe 10 jours avant Genève. Je n'ai pas pu aller. Il a essayé de monter à ma place. Des organisateurs ont refusé. Enfin, ce n'était pas vraiment possible. Et du coup, au début d'année, comme j'étais encore pas remis à 100%, c'est lui qui a monté Ouessant à Cannes-sur-Mer sur les premiers concours. On n'avait pas fait de plan pour savoir si c'était lui ou moi qui allait le monter dans l'année. Ça s'est très bien passé pour lui. Moi, j'avais entre guillemets d'autres chevaux à monter, pas vraiment des chevaux de Grand Prix, mais suffisamment d'autres chevaux à monter. Et du coup, on n'a même jamais discuté en fait. Ça s'est fait comme ça, c'est lui qui l'a monté du coup cette année. Chaque concours qu'il faisait, il classait, ça marchait bien. Entre guillemets, c'est le cheval de la famille, donc voilà. C'est lui qui a commencé autant que c'est lui qui finisse. Il n'y avait pas de raison que je commence à le monter en milieu d'année alors que c'est lui qui avait fait le boulot. Il avait commencé à faire des points pour pas l'expo, etc. Donc entre guillemets, on est une équipe, une famille, donc autant mettre toutes les chances de son côté. Si on avait monté la moitié de l'année chacun, on serait à la maison en fin d'année et on serait en train de regarder pas l'expo à la télé. Donc là, au moins un des deux peut monter. Ça reste au moins un cavalier de la famille Putala qui peut monter à Genève chaque année depuis maintenant plusieurs années. Donc c'est quand même c'est une réussite, même si moi j'ai pas monté un peu moins monté cette année. C'est une réussite pour nous, pour l'entreprise, pour notre famille. Voilà, merci beaucoup en tout cas à Philippe Putala de nous avoir reçus chez lui. Et puis merci également au deuxième acteur principal, Ouessant, l'étalon Ouessant qui est derrière nous, et bien qui, vous le voyez sur ces images, profite bien du soleil et de son jour de congé. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt, ciao.